Nous bénissons ton nom. Glory to God. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Bénis le nom de l'Éternel, mon frère. Hein, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Quelle grâce! Hey! Quelle grâce d'être compté parmi les vivants. Quelle grâce, oh Jésus. Oh Jésus, merci. Donné le souffle de vie, malgré tes erreurs, t'a soutenu, n'a pas permis à ce que la mort t'atteigne. Merci Jésus. Bénissons ton nom, Jésus. Je célébrons le nom de celui qui vit au cerne des cieux. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Oh, Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Merci pour cette soirée. Combien sont tes talents dans les lits d'hôpitaux? Combien rendras-tu là? Mon petit ami, nous avons un amour pour la mission. Nous parlons de Jésus-Christ. Bénis ton Dieu. Bye.
Son nom c'est Jésus de Nazareth. Amen. Non, amen. Nous acclamons. Thank you.
ciel se prosterne. La tête se prosterne. C'est pour le dire. Jésus est le seul qui mérite la gloire, ça la louange, la puissance, l'honneur. Mes acclamations restent là. Risque de nous jouer dans les délais, dans les minutes, puis de la vie.
avec tout le respect que nous les devons, amen. Il va passer pour vous parler de la part de Dieu. Yeah.
Non, alléluia. Oh,
Que Dieu a compris que le chemin qu'ils avaient emprunté n'était pas un bon chemin.
Dieu dira à Moïse, tout le peuple, vous allez camper à Pia, à Europe. C'était la destination de Dieu, là où le peuple devait camper. C'est pourquoi je vais dire à une personne que cette année, ne campe pas selon ta volonté. Ne te déplace pas selon ta chair. N'aille pas à l'église parce que tu es habitué. Parce que c'est l'église de ton oncle. Mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un n'a pas compris. Et là où Dieu avait envoyé son peuple, c'était le lieu où Dieu résidait. Et en hébreu, Pi-Aérod signifie le lieu de la destruction. C'est que c'était un lieu que Dieu avait prévu pour que et les Égyptiens soient détruits. Quelqu'un a compris. Et quand les Égyptiens, les Israélites, le peuple d'Israël, ont vu derrière eux une armée, une puissante armée des pharaons, ils ont commencé à murmurer. Qu'est-ce qu'ils diront? Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte pour servir les pharaons, pour servir les Égyptiens? Mais ils ne savaient pas que l'endroit où le prophète les avait ramenés, c'était tout simplement la volonté de Dieu. Et c'était un lieu où l'ennemi ne pourra pas résister. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Oh, alléluia. Amen. Et Moïse passe les mains de son peuple. Écoutez, ne craignez point. Je vais dire à une personne, même si tu as traversé des moments difficiles en 2015, je me lève comme Moïse et je te dis, ne crains point. Amen. Non, je dis à quelqu'un, ne crains point. Parce que la crainte, c'est le consommateur de la foi. Amen. Là où il y a la crainte, la foi n'existait pas. Amen. C'est que le peuple d'Israël ne savait pas qui servir. Mieux que l'on allait en Égypte et servir Pharaon. Or, Matthieu 6 dit que nul ne peut servir de mettre la foi. Donc la frontière n'est rien d'autre que le lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Parce que c'est sur la croix que Dieu, le Seigneur, a dépouillé toutes les autorités. Et c'était sur Pi-Aérod que Dieu devait faire un miracle. Je vais dire à une personne, tu as bien choisi de résider sous la croix de Jésus. Nous n'avons pas une croix rose, ni une croix blanche. Amen. Parce qu'il y a des autres qui ont des croix roses, qu'on appelle la rose croix. Mais nous, notre croix n'est ni rose, ni blanche. Mais notre croix est rouge. Parce qu'il devrait le sang de quelqu'un. Celui qui poursuit ta vie, aujourd'hui c'est fini. Amen. Et Moïse dira au peuple que les Égyptiens que vous voyez, alléluia, les Égyptiens que vous voyez, quand nous allons traverser de l'autre côté, que les Égyptiens ne traversent pas. Amen. Raison pour laquelle le frère Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, il dit, l'eau que Moïse avait traversée, le nom de la mer rouge, n'est rien d'autre que l'image du baptême, qui est l'engagement de bonne conscience. J'ai compris que devant la mer rouge, Israël devait prendre conscience et prendre une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la conscience aujourd'hui? Amen. Par rapport à la fin 2015. Ça, c'est la frontière. Bien-aimés, les Égyptiens ne peuvent pas traverser la frontière. Amen. D'ailleurs, Moïse lui-même devait passer par les eaux du baptême pour qu'il enlève la nature égyptienne. Parce que combien qu'il était hébreu, mais Moïse était un Égyptien. Les jours où il est allé libérer les enfants de rien, le sacrificateur de Madian, la Bible dit qu'il a libéré sept filles. Ils sont venus puiser de l'eau et il y a des péchés qui sont sortis pour les combattre. Et Moïse est sorti. Moïse les a défendus. Quelques temps après, ses enfants, ses sœurs, ils sont rentrés chez eux. Leur père dit, mais comme vous êtes rentrés si tôt, il dit, papa, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Cet Égyptien, c'était qui? C'était Moïse. C'est qu'en dehors, c'était un Égyptien.
à l'extérieur c'était ténébreux. Bien aimé, cette année 2016, nous ne voulons pas des caméléons. Amen. Amen. Je dis en 2016, nous ne voulons pas des caméléons. Je vais te rassurer, aujourd'hui c'est fini. Amen. Non, mais tu n'as pas bien acclamé parce que tu n'as pas compris. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Dieu n'accepte pas que toutes choses qui t'avaient combattu l'année 2015, que ça puisse te poursuivre en 2016. Non, tu dois dire non. Tu es capable de dire non. Amen. Non, je te révolte, tu es capable de dire non. Amen. Parce que tu as des armes de Dieu, mais tu ne sais pas l'utiliser. C'est comme si tu prenais un Kalashnikov, tu donnais un enfant de 6 ans. Pour lui, c'est un jouet. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec le Saint-Esprit. Or, c'est le véritable Kalashnikov entre tes mains. Tu dois l'utiliser. La Bible dit, nous avons la puissance. Amen. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ordonne que tu sois puissant. Laisse que cette année que tu deviennes puissant. Amen. Non, j'ai dit cette année tu dois devenir puissant. Amen. Serviteur de Dieu devenir puissant. Amen. L'église devenir puissante. Amen. Nous voulons devenir puissants pour combattre l'ennemi. Amen. Moi j'ai déjà dit non. Amen. Si j'étais malade, je ne traverserai jamais en 2016 avec une maladie quelconque. Moi j'ai dit non. Cette foi te sauvera ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais le maire levé. Est-ce que quelqu'un me suit? Israël est sorti le maire levé. C'est que Israël, il ne s'est pas caché pour sortir la nuit pour fuir Pharaon. Non, cette année, nous ne fuirons jamais Pharaon. L'Église ne fuira jamais ces Pharaons qui te combattaient. Mais nous allons sortir le maire levé qui est signe de la délivrance. Ne fuis pas les démons, mais cherche la délivrance. Oh, alléluia! Nous ne pouvons jamais fuir les démons, mais nous devons chercher la délivrance. Bien aimé, cette année, je le proclame une année de louange. Vous savez pourquoi? Parce que les jours où Israël était déporté sur le mur, dit qu'ils ont emballé leur âme, ils ne pouvaient jamais chanter. Les ennemis sont venus en demandant à Israël: chantons, chantez-vous un cantique de Sion. Chantez-nous un cantique de Sion. Et qu'est-ce que ces peuples-là vont répondre? Mais comment chanterions-nous sur une terre étrangère? Vous savez pourquoi? Parce que le livre des Psaumes dit que celui qui sème avec pleurs moissonnera avec chantresse. C'est qu'on sème avec les pleurs, mais on moissonne avec les cantiques. On moissonne avec la louange. C'est que les Israélites, ils voulaient tout simplement répondre à ces gens-là. Que comment ici, là où nous sommes, nous ne moissonnons pas, mais comment nous devons louer? C'est que la louange est accompagnée par la moisson. Celui qui peut louer, rien que celui qui ont été de moissonner. Parce qu'il y a deux dimensions de louange. On peut louer le Seigneur parce qu'on a moissonné, soit on peut louer le Seigneur parce qu'on est dans on est en prison. Il y a des gens qui louent le Seigneur parce qu'il est en prison. Et il y a des gens qui louent le Seigneur parce qu'il a moissonné. Maintenant, je vais demander à quelqu'un, ce soir, pourquoi tu loues le Seigneur? Parce que tu as moissonné ou parce que tu es en prison? Mais toute personne ne peut pas me dire. Il y a qui le Seigneur. Fais-moi le Dieu, en prier. Pour la parole de Dieu. Elle est d'abord prie le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Lors d'écouter pendant un moment, et que tu le
fasses grâce et la puissance de la parole, Seigneur, puisse régner au travers de ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Donc, Amen. Amen. Non, parce que quelqu'un est dans la joie. Amen. Oh, quelqu'un est dans la joie. Amen. Vous savez, autant tu dois prendre de la lune et tu voleras aussi à l'aise. Vous savez, quand un avion veut voler, je vois tout le monde. Nous sommes ici, on a déjà pris un avion, n'est-ce pas? Hein? Amen. Vous voyez la lune ou la vitesse où l'avion prend pour voler. Quand il fait un faux manœuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas voler. N'est-ce pas? C'est pourquoi je demande à une personne de prendre une allure dès le départ pour bien voler. Celui qui ne prendra pas une allure, il restera. Vous allez comprendre, les autres sont en train de monter, d'avancer, mais toi tu restes toujours. Mais je ne te souhaite pas. Je veux que nous montons ensemble. Amen. Donc dis-moi Amen. Amen. Papa, vous dites rapidement. Ésaïe chapitre 43, rapidement. Nous allons prier pendant un moment et nous allons louer Dieu. Gloire au Seigneur. Ésaïe 43. Verset 21. À partir du verset 21, je lis au nom de Jésus. On s'élève, s'il vous plaît, c'est la paille. Ésaïe 43, à partir du 21 verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut recommencer la lecture? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Acclamons le Seigneur. Amen. Moi bien, nous allons parler pendant un moment. Nous allons louer le Seigneur avec les chants. Notre thème de ce soir, vous nous parlez tout simplement pendant un moment de la louange et de l'adoration. Une fois que tu verras pendant la prédication, je vais mélanger, je vais parler sous la louange, sous l'adoration. Je sais que vous avez l'oreille spirituelle pour mieux comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, c'est Dieu lui-même, le Seigneur qui est en train de parler. Qu'est-ce que Dieu dit? C'était les temps qui s'allument. Le Seigneur devait choisir le peuple. Je demande au moment de me suivre. Il dit, un peuple que je me suis formé, un peuple que j'ai choisi, me donnera des louanges. C'est que, hormis toute la création, il y a l'humanité, il y a le peuple sur la terre, il y a des Français, il y a des Portugais, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Américains. Mais ici, Dieu dit que je ne demande pas à toute personne de me louer. Choisis un peuple qui le louerait. Et je suis dans la joie. Parce que si tu es là ce soir, parce que tu fais partie de ce peuple choisi par le Seigneur pour le louer. Non, non. Tu fais partie de ce peuple-là choisi par Dieu pour le louer. Amen. Vous savez, Oboni, tu choisis un peuple pour toi. À un moment donné, le peuple ne te loue pas. Soit il te quelle tristesse. C'est pourquoi dit une bonne église, c'est une église qui sait louer l'Éternel. Amen. C'est quoi papa? Maman, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut le bénir? Amen. Donc acclamons, bénissez-le. Bénissez-le. Non mais apparemment dans la salle, c'est comme s'il y a des innocents. Je vous dis, nous sommes en temps d'affaire. Nous sommes en train de fêter. Ne soyez pas innocents. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple que je me suis formé, un peuple que j'ai choisi, me donnera la louange. Et voilà l'importance de la louange pour le Seigneur. C'est que Dieu veut que nous lui offrons tous les jours l'intensité de la louange, mais le Seigneur est dans la joie. D'ailleurs, pour votre information, dans le ciel, il y a toute une équipe qui loue le Seigneur. Il y a le 24 vieillards et il y a les 4 êtres vivants. Leur service, c'est louer, c'est adorer.
Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. C'est pourquoi l'Église aussi, nous avons tout intérêt à nous retirer. Qui aime le Seigneur? Amen. Non, mais qui aime le Seigneur? Amen. Est-ce que tu le loues? Amen. Est-ce que tu l'adores? Amen. Toi, je te connais, tu es un grand aventurier. Quand tu parles, tu sais, je t'aime, tu es super, tu es tellement. Il y a des mots qui peuvent écraser le cœur des femmes. Oui, c'est toi. Mais pour louer le Seigneur. Mais il y a la seule chose que je ne regretterai jamais, c'est d'avoir épousé le véritable époux. Parce que lui ne déçoit pas. Que le Seigneur bénisse. Amen. Non, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Dans Matthieu chapitre 16, dans Acte chapitre 16 plutôt, il y a une écriture que j'aime bien. C'est là où nous allons nous asseoir. Prébonie, Acte chapitre 16. Amen. Je lis au nom de Jésus, Acte 16, à partir du verset 6e. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus par le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es libre. Il y a des malades, tu es en santé. Il y a des prisonniers, et tu es libre. C'est quoi, nous avons tous intérêt à louer Dieu. Vous savez, des fois, je me pose des questions. Quand je vois un enfant, une année, qui meurt. Des fois, j'ai toutes les questions que je me pose. Qu'est-ce que cet enfant fait? Un enfant de 2 mois qui vient de l'aide, mais qui décède. Qu'est-ce que cet enfant fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Et pourquoi mon âge? Jésus a confirmé. On a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je suis vivant. Je suis en train de manger, voir. Mais cet enfant est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? C'est là où j'ai compris. Et tant que tu es vivant, ce n'est ni par ta force, ni parce que tu es beau, ni parce que tu es prêt, ni parce que tu es français, ni parce que tu as la nationalité, ni parce que tu as des papiers, ni parce que tu as un bon travail, ni parce que tu es en France. Parce que les Français aussi meurent. Mais si je suis vivant, qu'est-ce que tu as donné pour que tu sois ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois vivant aujourd'hui? Les gens qui sont pauvres à l'avion, mais ils sont allés danser. Ils ont rien fait. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On a peut-être décidé pleinement à l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y avait aussi un enfant, je crois, de 23 ans, de 22 ans. Qu'est-ce que cet enfant fait? Il n'avait pas de projet, pas d'ambition, mais sa vie, c'est arrivé. Cette nuit, je veux que quelqu'un prenne une décision. Parce que nous voulons traverser la mer rouge. C'est le temps de la réflexion. C'est dans 2015. Comment je vais traverser? Qu'est-ce que je fais en 2015? Je vais prendre une décision. Sur la mer rouge, c'est le moment de la décision. Ce soir, je vais appeler quelqu'un à prendre une décision. Dis-moi amen. Amen. Non, amen. Amen. L'histoire nous raconte le bien-aimé Paul et Silas.
que je me suis posé, pasteur, ces gens n'ont pas volé. Ils n'ont pas commis de crime. Ils n'ont pas tué. Il n'a pas pris la femme de lui. Mais Paul et Silas, ce sont les trois prisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le bien. Ils ont délivré les femmes. Mais la délivrance, c'est quelque chose de bien. Amen. Hein? C'est comme si j'ai délivré une femme qui est possédée, la police qui est malade. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Or, aujourd'hui, les prisons sont pleines des assassins. Et ceux qui ont commis, c'est bon. Réellement. Pleines. Mais les gens qui ont policé dans la prison, ils sont rien fait. Parce qu'ils sont délivrés de femmes qui produisaient de l'argent avec un mauvais esprit. Et comme pour la question, ils sont délivrés de cette femme, le maître de cette femme, c'est bien encore l'heure. Bien aimé, cette nuit, le maître de ta famille. C'est le temps qu'on donne. Parce que quelqu'un va être délivré. Amen. Non, non, non. J'ai dit que quelqu'un va être délivré. Amen. Et dans l'autre côté, il y aura la colère. Amen. Les brigands qui tuent les gens dans cette prison, en prison en France. Papa, il y a la lumière. Des fois, il y a même la télé. Hein? Comme on dit, en prison, il y a la lumière, il y a la télé. Mais Paul qui n'a rien vu. Et Silas, la Bible dit, dans un profond ténèbre, dans le noir. Ah, c'est pourquoi j'aime faire Paul. Écoutez, dans le noir, Paul ne voit pas les chiens. Paul ne voit pas l'obscurité. Paul ne voit pas la souffrance. Mais comme était un enfant de Dieu, Paul a compris que même dans les ténèbres, je louerai les ténèbres. Même dans les ténèbres, je célébrerai le nom de ténèbres. Il a fait et Paul a commencé à louer. Paul ne louait pas Dieu parce que Dieu lui avait dit bien. Non. Mais Paul louait Dieu pour sa délivrance. Bien aimé, il y a qui la délivrance, la louange qui peut te délivrer. Amen. Vous savez, Israël devant Jéricho, ils n'avaient pas de salle. Rien. Mais la puissance de la louange a fait écrouler le mur. Cette nuit, le mur qui était dressé devant toi, par la louange, ce mur-là s'est écroulé. Amen. Où est-ce que tu le crois? Il y a quand tu dis Amen, tu dis Amen du fond de ton cœur. Amen. Il faut que tu sois. Vous savez, il y a des Amen, quand tu dis Amen, tu sens quelque chose qui jaillit dans ton cœur. Amen. Et tu vois, tu sais, c'est comme si tu avais des frissons. C'est comme si on est en train de. Je sais pas, il y a des choses qui sont en train de sortir dans ton cœur, qui est en train de crier Amen. C'est comme si c'était, ce n'est pas toi. Mais c'est comme si c'est encore. Il ne faut pas crier Amen pour crier. Mais tu dois sentir la chose dans ton cœur. Il y a quelque chose qui chante. Mais j'aime une femme. Au nom de Dieu. Amen. Il a enfanté le premier fils. Il n'a pas loué Dieu. Il n'a pas loué Dieu. Le deuxième fils. Il n'a pas loué Dieu. Dans la vie, il avait enfanté lui-même. Il n'a pas loué Dieu. Il a enfanté qui? Simeon. Il n'a pas loué Dieu. Son troisième fils est Lévi. Il n'a pas loué Dieu. Mais le jour où il enfanta Juda, il s'éleva. Cette femme dira, maintenant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Bien aimé dans ta vie, il y a des choses que Dieu a fait. Tu ne l'as jamais loué. Tu ne l'avais donné le mariage. Tu ne l'as jamais loué. Tu ne l'as donné le papier. Son nom, c'est les lions de la tribu de des louanges. Les lions de la tribu de des louanges. C'est pourquoi ce soir, nous allons montrer notre nature. Si tu es de quelle tribu? Moi, je suis des tribus de Juda, la tribu des louanges. Si tu es la tribu de Maluma, tu sors de cette salle. Si tu es la tribu de Mayaka, tu sors de cette salle. Amen.
cette nuit, je vais scandaliser ma femme. Tu me diras, mais pasteur, tu n'as pas honte de dire que c'est des enfants. Tu dis, ici, je ne suis pas ton mari. Là, je ne suis pas ton mari. Ici, tu fermes ta. Pourquoi? Parce que tu es comme tout autre enfant ici. Laisse-moi louer Dieu. Je vais scandaliser quelqu'un. Bien-aimé, la louange doit scandaliser quelqu'un. Vous allez comprendre que quand nous mentions, toute personne est née dans son sang avec cette nature de louange. Amen. C'est quand on a lissé, tu chantais les cantiques de Wérasson, les cantiques de Kester, les cantiques de tous les cantiques. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le style tout des Congolais. Vous savez, quand je dis, quand je viens de la télé, les Congolais savent danser. Même les enfants. C'est que dans notre sang, il y a la nature des adorateurs. Mais cette nature est cachée. Mais dans l'église, nous devons l'exploser. Cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Avant, je ne l'ai pas loué. Il m'a donné un bon travail, mais j'avais oublié de louer. Il m'avait donné un mari, j'ai oublié de louer. Mais cette fois-ci, cette femme dira, cette fois-ci, je louerai. Qui peut louer le Seigneur cette nuit? Oh, alléluia. J'ai dit, qui peut louer le Seigneur cette nuit? Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Oh, il ne change pas. Amen. Oh,
président. Et à table renouvelé le mandat, la descente en président c'est un famille, je vous dis, si un jour tu passais dans notre famille, là où j'ai grandi, tu dis, ah, pasteur va me converger. C'est là que je suis sorti. C'est quoi, si je ne dis plus ça, comment tu croiras que Dieu m'a mis? C'est pourquoi, même à cause de la nourriture de manger, je vous le sais.
Loue le Seigneur. Amen. Tu veux la grandeur. Loue le Seigneur. Amen. Mets le Seigneur à sa place. Il te mettra aussi à ta place. Amen. Amen. Mets le Seigneur là où il faut. Il te mettra aussi là où il faut. La dimension que Dieu a fait de l'être Dieu, c'est cette dimension aussi que Dieu te donnera. La dimension que Dieu a fait de louer Dieu, c'est dans cette dimension que Dieu te donnera aussi. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, si tu avais négligé la demande de l'adoration, cette nuit, prends le Seigneur, mets-lui à sa place. Vous savez, il y a qui de ces personnes qui méritent cette place. C'est lui. Oh, j'ai dit, c'est lui et lui seul. Le jour où vous sortez de rester ma vie, je vais commencer à pleurer. Comme quand Charles avait mis les livres fermés, j'ai commencé à pleurer. Qui peut ouvrir les livres? Un autre son. Il y avait un livre. Donc je dis à l'église, il y a un livre. C'est un livre qui n'est pas un livre. Mais c'est un livre esprit. Un livre qui marche. Un livre qui est capable de changer la vie des personnes. C'est lui, la vie change. Amen. Non, mais je sens une vie changée. Amen. Vous savez, tu as tant servi le Seigneur. Tu es allé à l'église. Quelque part. Tu priais. Tu chantais. Tu louais. Mais cette nuit, Dieu te démontre. Il te suit. Dieu dira au prophète que ce peuple me sert. De l'air. Mais leur cœur. Leur cœur est éloigné de moi. Mais vous savez, on peut manger ensemble. On peut boire ensemble. On peut être des amis. On peut être des femmes. Des couples, des amis. Mais quand il s'agit de l'adoration et de la louange, on se sépare. Amen. Hein? Quand même si nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble. Mais quand il s'agit de la louange et de l'adoration, on se sépare. Les jours où Abraham voulait aller adorer Dieu, Abraham n'a pas signé à sa main. Ces jours-là, c'était la séparation. Est-ce que quelqu'un a compris? Ces jours-là, c'était un divorce. Parce que commencer à cacher des choses à ta femme, c'est un divorce. Ça qui a pris la main des serviteurs. Et il commençait à monter, à monter. Moi, chez moi, c'est que l'adoration et la louange demandent tout simplement une dimension extrême de la communion avec Dieu. N'associe personne dans ta louange. N'associe personne dans ta adoration. Quand tu viens adorer Dieu, c'est le cœur, vraiment. C'est le cœur qui s'approche de Dieu. Tu sens ton cœur plus proche du Seigneur. Ta femme est éloignée. Ton mari est éloigné, les enfants sont éloignés, je reste seul dans mon vie. Mais des fois, dans nos bouches, nous disons autre chose, mais nous faisons aussi autre chose. Amen, amen. Ma foucale, ma gouma de Dieu, au sage la main. Il a fait échapper la foucale, la gouma de Dieu, il est debout. Nous disons autre chose, nous faisons aussi autre chose. Mais la louange et la louange. Moi je veux que cette église change dans la dimension de la louange. Vous savez, à l'époque qu'on avait cru au Seigneur. Hein? Oh, alléluia. Amen. Quand on avait crié au Seigneur à l'époque, il n'y avait pas de micro, ni des instruments. Mais on faisait quoi? On battait les mains. Mais je vous dis, la louange était une louange avec onction et puissance. Et pendant la louange, il y avait des délivrances. Pendant la louange, les gens, les démons sortaient. Pendant la louange, les gens étaient bénis. Pendant la louange, les gens devaient changer. Mais qu'est-ce qui a fait continuer? Même s'il y a la louange, les gens sont assis. Il y a l'adoration, les gens ne louent pas. Mais qu'est-ce que nous allons faire à l'église? Voilà le temps de prendre la décision. Cette année, c'est une année de louange. Mais je vous ai dit que la louange
est accompagné par la moisson. Quand je loue, quelque part, Dieu m'a donné. Et je suis en train de louer comme Léa. Écoutez, ce soir, Dieu a besoin d'un Léa. Léa n'a pas regardé à gauche. Léa n'avait pas. Il n'avait pas envie de voir les gens. Il s'occupait même de personne. Tout autour d'elle, il y avait du monde. Mais Léa dira, cette fois-ci, je louerai les domaines. Est-ce que cette fois-ci tu peux louer? Alléluia. Non, alléluia. Amen. Ne sois pas un chrétien de nous. Aujourd'hui, nous avons tellement de chrétiens de nous. Non, quand j'ai vu, on avait l'onction. Nous, moi, j'étais à côté. Le pasteur François, on était avec eux. On a commencé avec eux. Ben oui, tu as commencé avec le pasteur François. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Il y a des gens qui ont fait chanter dans cette église. Je ne crois pas. Frère, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu un micro ici. Tu es devenu un micro en train de chanter. Quand on avait commencé, je dis, qu'est-ce que tu es devenu? Tu as besoin de toi. C'est le jour et le temps de prendre une décision, de servir le Seigneur. Il n'y a pas une si grande chose sur laquelle que Dieu nous demande. Si Dieu nous a créé premièrement, ce n'était pas pour le mariage. Si la femme est venue sur la terre, c'était tout simplement à cause de l'inquiétude de l'homme. Vous n'avez pas vu? Parce que la femme, c'est le fruit de l'inquiétude de l'homme. Amen. Si l'homme n'était pas inquiet, la femme n'aurait pu. Ah, comme j'ai vu l'homme inquiet, il avait toutes les espèces mâles et femelles et il était démangé. Mais il n'a même pas demandé à Dieu une femme. Mais Dieu va visiter cet homme en disant, je te ferai semblable à toi. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Amen. Mais ce qui est important, c'est là. Qui peut nous laisser dans cette année? Amen. Mais je vous annonce quelque chose de bon. Cette année a bien commencé. Amen. Oh. Amen. C'est, cette année a bien commencé. Amen. Ça veut quoi? Dieu commence avec nous par la louange. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, louer, c'est moissonner. Nous sommes en train de louer en moissonnant. Louer en moissonnant. Amen. Dieu vous aime. Non, l'Esprit de Dieu vous aime. Amen. Acclamez le Seigneur. Je disais que la louange et l'adoration ne peuvent pas se limiter à l'œuvre, à la bouche. Et la louange et l'adoration est accompagnée par des signes. Quand je lisais la Bible, j'ai vu plein d'exemples dans la Bible. Parce que quand on loue Dieu, on doit faire des sacrifices comme Adam. Dans la louange, nous faisons des sacrifices comme Adam. Tu payes ton loyer, l'église aussi a un loyer. Tout ce que tu fais à ta maison, l'église aussi en a besoin. Nous devons faire des sacrifices. Ce sont des actions de grâce qui témoignent notre amour, notre communion avec le Seigneur. C'est que l'amour et l'adoration doivent être accompagnés par des actions de grâce, par des actions comme avant. Et même cette adoration peut aussi être accompagnée par la danse, comme Myriam et David, des gens qui louaient et qui dansaient. Mais tu verras quelqu'un, une femme ou un homme, dans l'église, il ne chante jamais. Même s'il essaie de chanter, il ne danse jamais. C'est comme si, ça c'est son démon. Quand tu vois l'église, quelqu'un qui ne veut pas danser, il y a un esprit. Non, parce qu'il a beaucoup étudié. Devant le Seigneur, tes diplômes n'ont pas de valeur. Devant Dieu, ta nationalité n'a pas de valeur. Déjà, quelle nationalité? Tu n'as pas honte. Marie Le Pen va te demander de quelle origine.
pas la télé. Si l'équipe de France gagne, c'est les Français. Mais si le père, là, ils ont ici, comment ça se fait? Soit c'est les cousins, soit c'est nous. Tu m'as compris? Soit c'est les cousins, soit c'est nous. Un jour, j'ai menti. J'ai dit à un homme, je vais voter. Moi, je vais voter, hein. Moi, je sais voter, mais je vais voter malgré lui. Quoi? Tu es écologique. Tu es français? Oui, écologique. Donc, il voit un homme de couleur qui va voter malgré lui. Mais ça, c'est une folie. Dis-moi, amen. Amen. J'ai tombé à la fin sous ma maison. L'adoration des louanges doit être accompagné par des actions de grâce. Comme Anne, à peine la naissance, cette femme a offert à Dieu son fils en Dieu. Mais le Dieu t'a donné un bon travail. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Dieu t'a donné des papiers. Tu es en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Oh, une bonne adoration! La louange! Oui, Seigneur, merci. Tu m'as donné une femme. En retour, tiens. Oui, Jésus, tu m'as donné des enfants. En retour, tiens. Vous savez, je suis venu à la télé d'une église aux États-Unis. Papa, j'étais étonné de voir une église qui faisait des tours et des tours des offrandes. Des tours, je vous dis des tours et des tours pour avoir des offrandes. Il y a une famille qui s'est levée. Papa qui dira, moi, ça, c'est mon enveloppe de offrandes. Parce que Dieu nous a donné d'abord la santé de ta famille. Il est donné une femme qui montait. Il dit, ça c'est l'offrande. Parce que Dieu nous a donné des enfants. Il est donné. Et il y a le mari qui passait encore. C'est l'offrande. Parce que Dieu nous a donné un bon travail. Il est donné la femme qui passait. C'est l'offrande. Parce que Dieu nous a donné une maison. Il est donné, ça c'est l'offrande. Mais combien les offrandes? Parce qu'ils ont compris que la louange et l'adoration ne peut pas se limiter. C'est pas donné. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? La louange et l'adoration. Quand nous louons Dieu, j'ai fait l'exemple de frère Paul qui lève ses mains en signe de reconnaissance. Seigneur, il était toi, je ne pouvais jamais être ce que je suis. Merci Seigneur. Toi-même, même la dîme de Dieu, tu la manges. Ah, quelle est cette dimension de la malédiction? Quelle dimension de la malédiction? Tout ça, ce sont des actions de grâce qui accompagnent la louange et l'adoration. Et ne pas perdre la louange, la louange et l'adoration, comme le fait David, il était toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Celui qui adore Dieu et qui loue Dieu, verra même son visage, il est toujours dans la joie. Mais toi, tout le temps, tu as des problèmes. Tout le temps, il y a des problèmes. 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 Pourquoi? Recevez la joie. Amen. Quand j'ai 17 années, 2015, je reçois la joie. Amen. Je sais que tu as tant souffert. Mais cette année 2016, je proclame la joie dans mon foyer. Je proclame la joie dans tes enfants. Je proclame la joie dans ton travail. Je proclame la joie dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Dieu! Il faut que les choses changent. Non, mais j'ai dit qu'il faut que les choses changent. Mais quand même que je suis en train de crier, parmi nous, il y a des rabbis. Il y a des rabbis. Déjà, dès demain, il faut commencer à discuter. Dès demain. Mais toi qui prie, toi qui connais le Seigneur, un enfant de Dieu, dès aujourd'hui, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à arriver, vers ton mari, méfie-toi. Ne parle pas, ne fais pas. Laisse le Seigneur agir à ta place. Amen. Quand ta femme commence à parler, ne réagis pas, laisse le Seigneur parler à sa place. Parce que le véritable juge, c'est Dieu. Amen. Non, dis-moi une bonne amen. Amen.
dans un grand amen. Amen. C'est pourquoi tu me vois dans à l'église, quand les gens sont en train de louer et chanter, il rit. Je me demande, pourquoi ce frère l'a dit? Non, mais parce qu'en lui, il a senti une onction qui coule et Dieu lui a donné le plaisir. Vous savez, les jours où les anges ont visité Sarah, qu'est-ce que Sarah a fait? Pour la promesse, Sarah a dit. Vous voyez que Sarah avait dit parce qu'il avait quel âge? 70 ans, il n'aurait pas les enfants. Non, mais Sarah était très amie des gens parce qu'il sait que ça, c'est le mystère de la rédemption. S'il y a des chiffres, toi, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer. Sarah était révélée. Et même les jours où elle avait reçu ça, la Bible dit qu'elle a encore ri. C'est qu'elle était en train d'adorer Dieu. Pas possible. Vous savez, il y a des gens qui adorent Dieu, pas possible. L'adoration et la louange, ce n'est pas tout simplement chanter. Le frère Bonny nous a prêché sur ça. L'adoration, on peut adorer Dieu par des cantiques. On peut adorer Dieu par des signes. On peut louer Dieu par des cris des gens. C'est pourquoi le jour où Israël était venu de toute l'île de Jéricho, la Bible dit qu'ils n'ont pas chanté, mais ils ont poussé des cris. Dis-moi amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer Dieu? Amen. L'adoration. Nous allons continuer avec cette tête d'adoration, la louange, tout le mois. Tout le mois de janvier, c'est le mois de joie. Nous devons avoir la joie. Amen. Non, mais c'est la joie. Amen. Non, il ne faut pas entrer en 2016 tout triste. Non, entre 2016 avec la joie. Et c'est cette joie-là qui fera que les choses vont se changer. Amen. Mettez-vous. Yes, we're going to
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Amen. Et à la terre grâce. Son amour.
Thank you.
se préparer avec son mari pour un cantique. Est-ce que moi... Thank you.
Les mamans qui sont derrière, et il y a encore, s'il y a des gens qui traînent sur le couloir, s'il vous plaît, faites-les entrer, nous voulons clôturer. Parce qu'il y avait du monde sur le couloir. Nos yeux sont fermés. Les chants vont nous balancer un cantique. Pour nous ramener dans la présence de Dieu, nous allons continuer la prière. Oh, yeah.
quand vous venez louer et adorer Dieu. Mais on doit profiter aussi pour prier, remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Voilà l'année qui s'ouvre devant toi. Voilà l'année qui commence devant toi. C'est comme quelque chose qui est encore au piège. C'est comme un papier blanc sur lequel on n'a pas encore écrit. Mais toi, tu peux te finir cette année par ta prière. Tu vas faire une prière. Dis, Seigneur, cette année, je vais la commencer avec toi. Je la dédie entre tes saintes et divines mains. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu pourras faire. Car si Dieu est avec toi, la victoire est avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, tu ne tomberas jamais. Amen. Si Dieu est avec toi, tu ne broncheras jamais. Amen. Nous nous confions entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Père. Elle est pour t'adorer, pour te glorifier. Seigneur, nous voici presque à la fin de cette service. Nous nous profitons, Seigneur, de la présence de cette prière. Ma prière. Il pouvait poser la question à Moïse, comment les élèves agissent
parce que devant nous il y a la mer rouge. Moïse, comme étant un homme, il ne connaissait pas comment est-ce que Dieu agira. Et il pouvait répondre au peuple, je ne sais rien. Mais moi je crois tout simplement à ce Dieu qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Que ce Dieu-là fasse des choses extraordinaires dans ta vie cette année, au nom de Jésus. Si Israël avait vu le miracle, parce qu'ils ont crié à la parole de Moïse. Moïse a dit, ne déplacez pas, restez sur place. Et vous verrez la main de Dieu agir, comment Dieu vous délivrera de la main de Pharaon. Et Israël a crié la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimé, Moïse est mort. Josué est mort. Tous les prophètes sont partis. Mais aujourd'hui, il y a le ministère dans l'église. Celui qui obéit à la voix du ministère, le ciel s'ouvrira. Que cette année, les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare. Là où il y avait des blocages, là où il y avait un mur érigé contre toi, tu n'avais aucune issue, tu ne voyais où sortir, tout ce que tu touchais n'allait pas. Tu attendais les papiers en 2015, tout a été rejeté. Tu te croyais ces papiers en 2015, tout est parti. Je te disais, cette année 2015, j'aurai des enfants. Jusque-là, aucune réponse. Mais le Dieu à qui j'invoque, c'est le Dieu d'Israël. Son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a la clé d'ouvrir et de vous fermer. Je regarde toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie pour que tu n'acceptes pas ta destinée. Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Déjà, des fois les gens t'ont donné le nom. Tu es en train de porter un nom qui ne te suffit pas. Le Dieu qui a changé le nom d'Abraham à Abraham, qui a changé le nom de Saraï en Sarah, que cette année 2016, que ton nom change au nom de Jésus-Christ, que le regard des gens change au nom de Jésus-Christ, que le langage des gens change au nom de Jésus-Christ, que ta vie soit bénie. Qui commence bien, finit bien. Et je sais que nous avons bien commencé cette année avec Dieu. Et voilà un nouveau chemin que le Seigneur t'a fait déplacer sur toi. Mais la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est la décision de faire un choix. Israël, quand il a vu les Égyptiens, ils n'avaient pas un choix. Pourquoi tu ne nous as pas laissé servir le Pharaon et les Égyptiens? Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de faire un choix. Bien-aimé, c'est le choix qui te ramènera vers le royaume. Tout démon, toute possession, tout esprit de mari de nuit, toute malédiction, tout blocage, tout esprit qui te poursuivait en 2015, l'esprit qui te donnait la faiblesse, qui t'a sujettissé, qui ne voulait pas que tu pries, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année soit une année de prière, une année de jeûne, une année de consécration. Au nom de Jésus, il y a un esprit qui te pousse à tout moment de ne pas prier. Des fois, tu avais envie de prier, mais tu ne pouvais pas. Tu te sentais dans la lourdeur. Mais aujourd'hui, que cet esprit te libère.
que cet esprit te libère et que tu deviennes un enfant de Dieu affermi au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer ensemble avec moi. Aujourd'hui, je prends une décision. Je prends une décision. Un engagement. Seigneur, j'implante la paix. Amen. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur m'a dit.